Hey tout le monde, arrête. Hey tout le monde, on espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau 24h. Ça fait un petit moment qu'on en a pas fait. Et on sait que c'est les vidéos que vous préférez sur la chaîne. Du coup, aujourd'hui, on avait un gros projet. Puisque c'était de transformer transformer la cave que vous allez découvrir juste après en épicerie. Tu vas dire mais t'es malade toi, c'est ce qu'il m'a dit mon chéri. Mais je vous jure mes amis, ça va être trop beau. Tes idées se dépassent tous les bords là, hein. Une cave, ça sert à quoi? Ça sert à entreposer du bordel, à entreposer des choses inutiles. Et moi j'ai envie de rendre cette cave utile. Donc je te mets des photos un peu de Pinterest que j'ai trouvé ici. Et on va essayer de faire un pet de trucs dans la cave. Ma cave elle est déjà trop belle. Alors t'imagines vraiment tout l'équipage. Et si on, si j'ai envie, attends. Ça se dit pas équipage. Je m'en fous. L'équipage est dans un bateau. Ouais bah c'est pas grave. Et mes amours, à savoir aussi que en fait vu qu'on a fait une salle cinéma en haut dans notre chambre. En fait on dirait un œuf quand tu fais ça. Vu qu'on a fait une salle cinéma en haut dans notre chambre, et ben du coup, on voulait grave faire, vous voyez comme quand vous allez au Kinépolis et vous choisissez des petits paquets de chips, des petits bonbons, ben nous on voulait faire ça, d'accord? Donc c'est parti tout de suite, je vous laisse avec la vidéo, et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous, parce que c'est gratuit. Par contre, pas oublier que et je vous ouvrirai des chips. Je vais mettre une petite caisse enregistreuse. Et moi je serai derrière la cave. Ouais. Comme ça tu pourras choisir dans la petite magasin. Ouais, je vais vous faire visiter la cave. Et ensuite on ira à Ikea chercher tout ce qu'il nous faut. Puisqu'il nous faut des bacs, il nous faut des meubles, il nous faut un dressing à nourriture. C'est parti, let's go. Les amours, tout ce qui est rangement, les bacs, etc. Ils sont là. Là, il y a des plus petits. On va voir ce qu'on prend. Il y a aussi des paniers qui sont trop trop beaux. Genre ceux-là, mais de base en blanc. Je pense qu'il y en a plein. Voilà. Je crois qu'on a grave craqué. Et maintenant, on va voir si tout ça, ça rentre dans la voiture. Je te débrouille. Fatidique est arrivé. Est-ce que les cartons ainsi que la marchandise. Non. Tu le mets, tu peux pas venir aider là. Non, je filme. Bon mes amours, là du coup on est rentré à la maison. Ça y est, on va pouvoir démarrer le gros changement. J'ai trop trop hâte. Mais avant ça, du coup, puisque là le facteur vient de sonner et j'ai reçu mon colis à Vaianmei. Et du coup je vais vous montrer, puisque c'est juste des pépites. Et du coup comme pour cette vidéo je suis en collaboration avec eux, je vais vous faire découvrir un peu la marque, etc. Tu vas voir, c'est trop canon. Voilà ma nouvelle commande, on va être sur des produits parfumés que je vais te montrer. Mais surtout on va être sur des produits de grande qualité puisqu'ils ont été conçus par des maîtres parfumeurs. On a cette bougie là qui est la bougie Mexico qui est bleue, mais vraiment sur le site vous avez un choix énorme de senteurs. Leur concept c'est un peu le fait de créer des senteurs à partir d'endroits du globe, donc vous avez vraiment plein de senteurs différents. Elle est énorme cette bougie là, elle brûle pendant 70 heures avant qu'elle soit vide. La cire elle est 100% soja, la marque est vegan, made in Europe, etc. Au niveau de l'odeur on va être sur de l'ambre, jasmin et patchouli, et franchement je vous jure ça sent hyper fort mais vraiment hyper bon. Moi au bout de 70 heures quand le récipient est vide je le réutilise comme pot à maquillage, je mets tous mes pinceaux etc dedans, soit comme petit pot à coton, je mets mes cotons, je le rince bien et je referme. Celle-ci je vais la mettre ici dans ma déco de bibliothèque, je trouve qu'elle est trop trop belle et en moins ça donne un peu de couleur. Et du coup ici on part sur le petit set Iceland, mes amours il sent trop trop bon, ça sent le frais mais franchement le mélange il est oufissime. Donc là on a les petits bâtonnets senteurs et là du coup on a le parfum d'intérieur et ça je m'en sers pour pulvériser sur mes fauteuils, mes rideaux. Ça sent trop bon quand quelqu'un vient à la maison, même si j'ai pas d'amis. Et ben du coup je fais quand même la senteur un tout petit peu parce que ça sent extrêmement fort. Donc avec une bouteille comme ça vous faites vraiment hyper longtemps. Et j'aime trop parce que le design il est trop beau, les petits capuchons en bois et tout comme ça c'est trop mignon. Moi chez moi c'est hyper grand. Du coup ici près du salon je mets ça, ça sent trop bon. Et du coup comme je vous ai dit au niveau de la bibliothèque je mets la bougie, comme ça on a toujours le rappel de l'odeur. Du coup ce qui est hyper génial sur le site, je me recule pour te mettre ici le glossaire, puisque du coup tu vas pouvoir directement via
un personal shopper du site, avoir accès à tes senteurs préférées. Tu vas juste mettre dans la petite loupe quel style de senteur tu aimes. Ils vont te préconiser des produits directement, donc comme ça tu ne peux pas te tromper, c'est trop trop bien. Mais en tout cas, avec mon code promo, si jamais ça vous intéresse, Loft Love Try, que je te mets ici en majuscule, tu obtiens moins 40% de réduction sur le site. Et aussi, si tu fais plus de 39€ d'achat, du coup tu auras aussi un cadeau supplémentaire. Tous les liens seront en barre d'infos si jamais ça t'intéresse. Et tout de suite on se retrouve avec la suite de la vidéo. Je vous ferai un room tour global, hein, je vous ai pas oublié, un house tour global. Là quand on rentre, du coup il y a mon dressing à chaussures, etc. Et là du coup on a la cave qui se trouve à côté de la buanderie. Donc c'est un peu le bordel, mais t'inquiète, après ça va être propre. Donc voilà, c'est ici qu'on va... Non, je rigole. La cave. Non, l'escalier. Et voilà comment elle est. Bon. Là, de base, en fait, si vous voulez... Ah, ça résonne. Non, mais t'as pas marqué. C'est à ta taille. 1m50 de haut. Comme toi, en fait. C'est à ta taille. Non, mes amours, si vous voulez, il y a une cave à vin qu'on va jamais utiliser. Donc nous, on va faire une cave à boisson. Et là, en fait, on va monter des expédites blancs. Le sol, c'est un sol un peu... Marbre. Marbre délavé. Et fait un peu marbre, mais de toute façon, on va mettre un tapis. Et sur ce mur-là aussi, on va venir mettre des bibliothèques Billy. De toute façon, on vous montre ça, Ika. Vas-y, là, ça ressemble à rien pour le moment, mais regarde bien. Et tu verras l'après, tu vas rien comprendre. Mais après, mes amours, en fait, bibliothèque Billy. On peut grave ici faire une petite épicerie cachée. Parce qu'en fait, la cave, elle est ultra saine. Genre, elle est pas humide, rien. Bon, elle est un peu plus fraîche que les autres pièces, donc c'est top. Et voilà! C'est un projet formidable! C'est un projet fou! C'est le projet et il va falloir. Je m'en fous! Il va falloir aussi enlever toutes les toiles d'araignée! Ah, ça c'est répugnant par contre! Allez, let's go! Alors la petite cave où on en est, et ben là du coup mon chéri il a monté les expédites. Attends attends, ça va pas rester comme ça. Si tu veux, ici du coup on a monté la mini Billy and the Grand Billy. Là on a un vide, donc je pense que je vais mettre un, je sais pas ce que je peux mettre ici, parce qu'après il y a les spots. Ici on a enlevé toutes les planches, si vous vous souvenez il y avait des planches, mais derrière c'est de la brique, donc c'est pas grave, du coup je vais pouvoir quand même faire des rangements. On va voir, ça va être bien. Et là du coup au niveau des Billy, comme je vous ai dit, ce qu'on va faire c'est qu'on va aller en rechercher deux autres. Parce que ça j'en avais pris deux, mais ça passe pas. Donc là on va chercher deux autres Billy et je vais les superposer pour que vraiment ça prend tout ça. Voilà, pour que vraiment on a de l'espace. Et je veux une épicerie, j'ai demandé une épicerie. Donc voilà. Et là je pense que ça va faire rangement boisson, mais vraiment ça me fait chier que ce soit que ce soit de la pierre comme ça derrière. En fait moi c'est pas très beau. Mais en soit, c'est pas censé être beau une cave à vin. Donc ça va être une cave à boisson. Donc voilà où on en est. Voilà, voilà. On est loin d'infini. Et après, oh, j'espère que vous allez toujours bien. Jour numéro 2. Et je vous ai grave épargné le montage hier. D'ailleurs, c'est mon chéri qui s'est tout tapé pour tout vous dire. Il est où? Il est là. Mes amours, vous devez vous dire, c'est bon, on en a marre de voir ta tête face à ta baie vitrée. Mais là, on vous a grave épargné le montage des meubles. Mais t'inquiète, je vais te montrer. On va partir au magasin, du coup, re-IKEA, mais je vais pas vous filmer ça. Rechercher deux expédites, les monter. Mais surtout, là, je vous prends avec parce qu'on va aller au magasin. On va faire le plein de cochonneries. Des cochonneries! Merde, il est là, merde, chérie. Là, on va faire le plein de chips, de bonbons, de gâteaux, de coca, de soda, tout ce qui est pas bon pour la santé. D'ailleurs, je vous recommande pas, mais à savoir que nous, on va pas manger ça tous les jours. C'est pour stocker. On va juste stocker dedans pour faire une épicerie. Voilà, donc vas-y, à tout de suite. On se retrouve au magasin. So you think you were right? Bring it on, bring it on, prove me wrong. Go put up. Non, non. Et moi, je veux un caddie. Je veux un caddie. Hein? Bah ouais, hein. Pourquoi tu veux faire du stock? Non, je veux. Non, mais. Si, vas-y. Ah, pas, non. Vas-y, t'as acheté. Vas-y. Combien? 50, un ou deux.
crois. Ouais. Allez, dépêche, mamie. Oh, regarde son sac. Oh. Quoi? Bah, regarde comment ils vont le ranger. Tu veux pas faire montrer? Est-ce que je monte ton slip, toi, pour montrer comment ils vont le ranger? Mon slip est bien rangé, je te le montre. Merci. C'est doré, faudra la guerre. Ce qu'il y a de trop bien à BM, mais en fait, j'ai un front, on dirait un avion qui peut se poser dessus. Mon bandeau est parti en arrière, du coup. C'est vrai, t'as la calvasse, hein. Mes amours, de ce qu'il y a de trop bien à BM, c'est parce qu'il y a plein de bouffe américaine. Donc on va prendre des trucs qui vont faire plaisir à Lilo Swan. Et restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vous ferai un concours. Je vais vous envoyer un gros carton de nourriture, vous aussi. Et toi aussi, ça va te faire plaisir. Tu vas piocher dedans. Et non, je vais faire pour mes petits abobos, je vais leur faire un carton de nourriture trop bonne. Pour fêter l'épicerie, je vais vous envoyer un colis de ma propre épicerie. Madame, vous avez volé, hein? Comment? Vous avez volé, je pense. Mmh. So you think you were right? Bring it on, prove me wrong. Go put up a fight. On a tout ce qu'il nous faut et dites pas dans les commentaires ouais t'es dans la bulle, il y en a trop tout, vous connaissez pas Lilou et Swan, enfin surtout vous connaissez pas Lilou et lui là. Hein? Regardez, tout est caché dedans. Non. Et ma caméra parce qu'on va tout ranger ensemble. Du coup j'ai décidé de faire deux comme ça et là on va faire un. Comme ça dessus on pourra mettre des bonbons et tout. Et le truc pas très beau là, la cave à vin. En fait c'est pas très beau, c'est parce que moi j'adore le blanc. On s'en sert pour stocker les boissons. Let's go, on va commencer à ranger les bacs. Donc du coup, je vous ai montré qu'à Ikea j'ai pris ceux-là. Oh. Ils sont si mignons. Ah, ils sont bleus. Ouais. Donc ceux-là, on va les mettre au deuxième étage. Je dis ça, tu me filmes, hein. Je me filme une chute. Je vais finir à l'hôpital, tu vois. Là, Lilou, est-ce que ce serait une bonne idée de mettre tous les bacs blancs? Lilou? Oui, oui, bah oui, c'est très bien. Je trouve ça intelligent et tout. Bravo, voilà, toujours d'accord avec moi, Lilou. Voilà. Non mes amours, on va commencer par mettre des bacs transparents ici, je pense comme ça. Plus les bleus qui sont trop trop beaux ici. Ah, ils sont canons. J'ai payé 10 euros le bac à Ikea quand même. Mais ils sont beaux. Ils sont quand même beaux. Bien lu dans la vidéo. Et là-bas, mes amours, dans le parbo là-bas, on va le rendre beau parce qu'on va mettre des bacs blancs. Et du coup, ça va faire mieux. Tu vas voir mon épicerie. Après, ça va être des LED pour faire... Bref, t'as compris. Vas-y, le truc, il y a un nom de super-héros. Ils adorent. Ça donne, bon, il manque un bac. J'ai fait 4 bacs différents, des bacs comme ça, on va mettre les Twix, les mini Mars et tout, des bacs comme ça, on va mettre les chips. Bref, tu vas voir, ça va être trop bien rangé et tout va être rangé par catégorie. Attends, t'as dit quoi? Des Twix. Des Twix. Des Twix. Des Twix. Bah ouais. Pourquoi des Twix, des Twists ou des Twisters? Toujours en train de râler. Du coup, on en est là. Là, on a mis tous les bacs et ça fait vraiment trop trop beau. Là du coup on en est là, pareil on a mis des bacs, le Karma Zarma. Tu m'avais pas vu? Si, j'ai entendu le bruit. Mais de toute façon dès que je vous ferai le tour, après dès qu'on aura tout rempli et tout, je vous dirai d'où vient. Là ça fait beaucoup mieux, bon il y a Marine Light, vous faites semblant que vous voyez pas. J'ai mis les bacs blancs et tout parce que là ce sera les boissons tout ça. Et là c'est, bon il y a mon cap de Ring Light mais pareil faites comme si vous ne l'avez pas vu. Là j'ai mis tous les pots comme ça, tous les trucs, tous les... Bref c'est trop beau, dites moi en commentaire si c'est trop beau. Maintenant on va aller chercher toutes les courses, on va découvrir ça ensemble et on va tout ranger. Mes amours, il y a du coup les courses qu'on a faites tout à l'heure et aussi il y a les courses qu'il y avait dans les armoires du haut. Tout ce qu'il y a et tout qui était encore pas entamé, que du coup on va mettre ici. Et ce qui est trop bien du coup le fait d'avoir une supérette, c'est que du coup ben, il n'y aura pas toutes les paquets qui vont s'ouvrir, s'accumuler et tout. C'est à pouvoir terminer ce qu'il y a en haut d'abord. Let's go. Let's go dans mon magasin. C'est pour mon chéri, moi j'ai arrêté depuis. Vous savez, c'est rare que j'en prends une. Je vais tirer au sort quelqu'un dans les commentaires et dans l'épicerie, il pourra choisir 15 articles que je vais lui envoyer dans un colis. Non. Si?
Mais si, je rachèterai. J'en ai pris plus pour exprès. Si. Non, c'est vrai. Si, s'ils si veulent. Limité. Mes amours. Participez en commentaire, vous aurez. Ah, mais tais-toi, les voisins vont appeler la police. Appelez. Votez pour les Mogu Mogu, mes amis. Hashtag Mogu Mogu en commentaire. J'aurais baissé ton son, on va pas t'entendre. God, mes amours, j'ai presque terminé, mais c'est trop satisfaisant. Genre de tout placer comme ça, j'ai trop hâte de vous faire le tour. Donc là, il est super tard. Franchement, je suis KO. Demain, on installe les LED et je vous fais un tour. Et puis voilà, on va rigoler ensemble parce qu'on va faire un tour spécial. Donc reste qu'à la fin de la vidéo. Bon, mes amours, du coup, jour numéro 3. Et ça me fait rigoler parce que j'appelle mes vidéos 24 heures. Alors qu'en vrai, ça nous prend des plombes. Mais enfin bref, quand vous savez que c'est un 24 heures, c'est un vlog. Bref, on est parti. On va faire visiter du coup l'épicerie. Par contre, on n'a pas pu mettre les LED parce qu'ils n'étaient pas dispo, tout simplement. On n'en a pas trouvé. Mais par la suite, on en mettra et on vous montrera sur Insta. Donc rejoignez-vous sur Insta. Et tout de suite, je vais vous présenter, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, Alphonse. Et il y en a qui vont le connaître parce que vous avez déjà vu une séquence que je vous mets juste ici avec Lilou que je vous ai publié en YouTube Shorts parce que je poste beaucoup de YouTube Shorts. Bref, et du coup, Alphonse va nous faire le tour de l'épicerie. Ça va être trop trop drôle. Alphonse! C'est parti, on est avec Alphonse. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, Alphonse c'est un enfant débile. Mes amours, on va découvrir l'épicerie. Je suis trop contente, je vous jure. Bon, il manque encore quelques détails comme les LED et le tapis. Ici j'ai pas encore rangé Marine Light, mais ça arrivera. Donc déjà, je vous fais un tour global et ensuite on va vous montrer en détail. Tac. Et comme je vous ai dit, vous inquiétez pas, je vais monter Marine Light. Et ici, on est comme ça. C'est parti pour vous montrer en détail. Donc là, Alphonse est au rayon bonbon. Donc là, on a mis des petits pois. Alphonse, c'est pas ici, c'est là. Là, on est au rayon bonbon. Et là du coup on a mis tous les petits pots de bonbons etc qu'on est venu mettre ici. Et ici si tous les pots sont encore vides c'est parce qu'on va mettre des pâtes et tout ce qui est salé. Et qu'on n'a pas encore été chercher au magasin tout simplement. Mais regardez ici il y a des mini burgers, des Twix, des mini Kit Kat plein de sorts. Ici c'est pareil on va ranger du salé donc voilà pourquoi c'est comme ça. D'ailleurs les pots sont même pas bien mis. Ici on a encore des chips, ici il y a des petits biberons de bonbons, des maltésers. Je vous montre comme ça, vous me dites en commentaire ce que vous voulez. Là c'est de la nourriture américaine, des oignons frits et de la pâte à gaufre, crêpes et tout. Alphonse, mais... Alphonse, sors de là, c'est pour la nourriture. Alphonse va vous montrer du coup ce côté là, donc c'est mon côté que j'aimais le moins, mais en vrai ça va, ça rend bien. J'attends votre avis en commentaire, il va vous montrer ce qu'on a rangé ici, tout ce qui est boisson. Comme on vous avait dit dans la vidéo qu'on allait faire un coin boisson. Alphonse montre ce qu'on a comme boisson. Voilà. Capri Sun, céréales. D'ailleurs, si vous voulez un des paquets, vous me dites. Selecto, boisson, coca, il y a beaucoup de coca ici. On passe à la vue. Là, c'est mon endroit préféré. C'est le plus beau. Là, pour moi, ça fait vraiment. On dirait on est dans un magasin. Je vous jure, j'aime trop. Je me crois vraiment dans un magasin. C'est trop bien. Donc, Alphonse, il va vous montrer ce qu'on a mis déjà là au-dessus. Alphonse, tu montres ? Qu'est-ce qu'on a, Alphonse? C'est quoi ça? Choupe. Des quoi? Choupe. Donc ici, mes amours, du coup, on a rangé tout ce qui est... En fait, là, ici, on a voulu faire comme au cinéma, genre vraiment comme ça, quand on regarde un film, on choisit le paquet de chips qu'on veut. Donc, elle a mis des mini chips, des grandes chips, des boissons. Des trucs sucrés, encore des chips et encore des barres chocolatées, etc. C'est comme ça on prend, on serre et c'est grave bien. Ah,
te plaît, Alphonse, dans la cave? Tu t'y plais? Hein? Amour, deuxième étage, pareil. C'est fait pour les mettre les mains, Alphonse, qu'est-ce que tu fais? Donc deuxième étage, on a encore mis plein de petits paquets de chips, des Doritos, tout ce qui est des autres chips. En fait, il y a vraiment beaucoup de chips, mais sachez que c'est pour hyper longtemps. Là, on a les pop-corn sucrés, salés, plein de mini boîtes de céréales, des pop-corn, des petits gâteaux. Et dans cette étagère-là, on a tout ce qui est petits sachets de bonbons, des mochis, des mini BN, là c'est tout ce qui est sirop d'érable, confiture, etc. Et les sauces, d'autres petits gâteaux, compotes. Bref, après je vais pas tout vous montrer, ici c'est que de la nourriture américaine, des jelly fruit et tout. Ça se mange pas le paquet, Alphonse. Bon, mange ce que tu veux. Du coup, mes amours, il y a de quoi faire des pancakes, des nouilles, enfin il y a vraiment de quoi faire des hot dogs, des gâteaux, des Kit Kat au popcorn. Bref, il y a trop de choses, donc on va pas tout... Bah, je pense que de toute façon je vous ai tout détaillé, mais voilà, donc la vue globale maintenant de la supérette. Tu viens, Alphonse? My bop and unlike me too. No roof on my top and my babe see through. Hating on the pen, don't stop, shit ain't gon' feed you. I've been all on my grind, so why I need you. Les amours, pour le tour de la mini épicerie qu'on a transformée. Enfin, franchement, au lieu d'avoir une cave, je préfère largement avoir ça. Il va falloir maintenant essayer de résister et ne pas trop grailler, parce qu'autrement je risque de devenir obèse, très clairement. Mais en tout cas, on est trop contents, on espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, avec aussi ce que vous voulez dans l'épicerie. Et du coup, vous mettez je participe au concours, je vous contacterai et vous me direz ce que vous voulez dans l'épicerie. Voilà, ça me fera trop plaisir de vous envoyer ça et je vous mettrai des petites surprises étoiles à l'intérieur, pardon. En attendant, n'hésite pas à liker si tu l'as pas encore fait et à t'abonner aussi, pareil, si c'est pas encore fait. Et du coup, mes amours, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Mouah! Dites-moi aussi en commentaire si vous voulez un house tour global.